C'était il y a 20 ans, à la rentrée 1999. Appelé par l'instituteur bilingue de Santa Rebarada, qui avait 11 élèves prêts à rentrer en 6e, ce professeur d'histoire décide de créer une 6e bilingue, la première classe du genre dans le secondaire, pour l'Académie de Corse. Le rectorat accepte à la condition d'avoir 20 élèves, mais il faut tout inventer sans aide. C'était tout à fait nouveau, il n'y avait aucun outil pédagogique. Donc, comme on le sait, l'éducation nationale non plus ne roule pas sur l'or, donc il n'est pas question de peut-être de mettre en place une formation quelconque à l'époque pour une seule classe. Saverio Colombagne est issu de la première génération. Diosaninku, il vient d'une famille corsophone à l'oral. Après une scolarité normale, il redouble sa 6e en prenant place sur les bancs de la classe bilingue, qu'il retrouve aujourd'hui avec émotion. Ça fait bizarre de revenir, mais ça fait plaisir. C'est là où j'ai appris surtout à l'écrire, parce que on le parlait au village avec mon père, avec les anciens. Et Laurent m'a appris à l'écrire. Allez, intride. Aujourd'hui, les élèves bilingues sont bien plus nombreux. 64 inscrits en 6e à la rentrée dernière. Mais pourquoi ont-ils choisi cette filière? Pour les études plus tard, enfin... Ça fait des points bonus et c'est bien d'apprendre la langue où on est. Enfin, comme je viens de la Corse, c'est bien de parler corse. Il y en a qui ont des difficultés dans les autres langues, dans des autres choses à apprendre. Du coup, quand on leur ajoute une langue, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc il y en a qui ne peuvent pas directement. Mais moi, je dirais que ceux qui peuvent y accéder, qui y accèdent, quoi. De la 6e à la 3e, le collège compte désormais 6 classes bilingues. Elles seront encore plus nombreuses l'année prochaine. Pour le principal, ça risque de poser problème au moment de faire les emplois du temps. Ces ressources humaines qui manquent, on peut recruter des professeurs bilingues, encore faut-il en avoir à recruter, et ce n'est pas le cas. L'Académie de Corse manque de professeurs bilingues. En dehors des cours de langue et culture corse, ils apprennent 4 autres matières en Corse, dont les sciences de la vie et de la terre, soit une dizaine d'heures par semaine par classe, pour l'instant.